Bonjour, je suis Lubin Dimitrov, je suis jeune ambassadeur du Centre de la Francophonie des Amériques. Nous voudrions savoir qui vous êtes, comment vous concevez la francophonie des Amériques et aussi la francophonie mondiale. Oui, alors moi, mon nom est Marcel Poirier, j'ai 86 ans. Je n'ai pas encore pris ma retraite parce que on a encore besoin d'informations au sujet de l'étude ou la compréhension de notre belle langue, la langue française. Alors, dans mon cas, personnellement, je veux montrer à la population tout entière à travers la planète par un cours que j'ai écrit, que j'ai enregistré sur le site web profmarcel.com, un cours complet de 85 capsules de 15 minutes. Et ça permet aussi bien à des étudiants de primaire, secondaire, de cégep, d'université, pour les parents également, les parents qui ont besoin d'aider leurs enfants, les secrétaires, les décrocheurs qu'on retrouve un peu dans les rues actuellement, voyant qu'ils ne réussiraient pas leur français de secondaire 5, souvent on décroche en 3 ou en 4. Alors, ce que je voulais, c'était de permettre à ces jeunes-là de retourner sur le site, aller se procurer la grammaire, et puis sinon la grammaire, le site est là et toutes les capsules sont là gratuitement au bénéfice de tous et de chacun. Et quel serait votre message pour les jeunes francophones des Amériques, les jeunes francophones et francophiles? Oui, les francophones et francophiles, parce que personnellement, je suis d'accord à ce que le francophone connaisse d'autres langues. Et je sais qu'il y en a certains qui se permettent d'apprendre deux langues, souvent la langue anglaise, pour un bénéfice personnel rendu à un certain âge, ou encore la langue espagnole ou une autre langue. Alors, je voudrais que ces jeunes-là comprennent que la langue française, au départ, c'est quelque chose de très clairement présenté. Si on comprend notre langue, au lieu d'apprendre notre langue française. L'apprendre, c'est un ensemble de règles qu'on introduit dans l'esprit, dans notre mémoire. Mais si on la comprend, on n'est même pas obligé de retenir tout l'ensemble des règles de la grammaire française. On reconnaît les mots, on sait pourquoi ils existent, on leur pose la question, « Tu es un petit qui, toi? » Et s'il me répond, « Je suis un verbe. » Ah, tu exprimes une action. Alors, ou bien, « Tu es un nom. » Ah, tu désignes une personne, un animal, une chose, etc. Alors, tout le cours sur le site profmarcel.com, c'est 85 capsules gratuites offertes à la population à travers la planète. D'accord, merci beaucoup, M. Marcel, et bonne fin de journée. Si un jour ou l'autre, quelqu'un a besoin, mon numéro de téléphone est disponible sur le site. Alors, ça me fera plaisir d'aller aider qui que ce soit. D'accord, bon forum. Bonne chance à vous, là.